Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, comment allez-vous? Eh bien pour ma part, ça peut aller, mais ça va super bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Far Cry 6, les amis. Aujourd'hui nous allons commencer cet épisode déjà par un petit pouce bleu si vous le voulez bien, ça me ferait très plaisir. Mais surtout nous allons commencer par une capture de base. Là je m'arrache avant que ça parte en couille. Salut! Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Allez, ciao bambino! Non, on va aller capturer... Ouh, il y a une moto, on va prendre la moto là. On va aller capturer la base des FND qui est juste ici. Voilà. Et puis peut-être celle-là, si on a le temps. Et si on a le temps, on fera aussi la mission de Juan, juste ici. À noter que, un petit peu en retard, mais j'ai remarqué que c'est super bien fait. Que, enfin, bon, après le jeu, vous l'avez tous compris comme moi, mais... Les marquages sont vraiment bien faits. Là, on a la famille Montero, les Maximas Matanzas, et là, le QG de Libertad. Voilà. Et ça, je viens de le voir seulement maintenant. Voilà. Mais c'est tout, et du coup, j'aime bien. C'est toujours sympa de découvrir ça. Ça va, frérot? Qu'est-ce que tu sais? Tu veux te faire bien voir? Bien sûr. L'armée a installé un poste de contrôle. Ce serait une grande victoire pour nous si tu le détruis. Gracias. Tu zozotes un peu, hein? Ah, bah c'est génial. Un nouveau poste de contrôle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, nous, on n'est pas là pour ça, sauf si c'est vraiment... Ah bah, c'est juste à côté. Eh, les gars, ça va faire plaisir. Hein. Ça... Ah bah oui, on était juste là dans le dernier épisode. Hein. Très bien, bon, nous, on va s'occuper de ce... De cette base FND. Allez, c'est parti. Oh, putain. Non. Ok, j'ai cru que j'avais défoncé la bécane. Comment je sors moi là? Par ici. Oh! Malade! Ah mais elle est là-bas la base. Allez c'est parti. C'est parti mon kiki. Je sais pas qu'est-ce que je viens d'éclater mais... On va couper. On va couper les amis. Allez à fond les ballons. Viva Libertad! Oh, on aurait pu. On aurait pu, hein. Franchement t'exagères. Franchement t'exagères. Allez les amis, c'est parti. On va, je pense, bien s'amuser. Oh là là. Ça me rappelle des bons souvenirs, pas vous? Bon, cette fois-ci, je ne pars pas sans avoir terminé. Hein. Ok, je peux la shooter. Et ça, c'est cool. Et je pense qu'il n'y en a qu'une. En vrai, ça va être très simple. Cette mission va être très très simple. Oubliez les renforts, salopards. Ah. Il y a encore une alarme. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Sauf si... Cette caméra doit disparaître. Voilà, ça, mon plus grand cauchemar. Faut absolument qu'on trouve l'autre alarme. Clara, je crois apercevoir une usine de conditionnement de tabac. Elle pourrait contenir des trucs utiles. Essaie de trouver un ordinateur sur place. Les données pourraient nous servir. Non mais je rêve. Tu m'as pris pour une informaticienne? Exactement. Dani Rojas, la guérilla du web. Bonne chance. Très bien. Et c'est qu'elle manque pas d'humour. Elle est où la putain d'alarme encore? Attendez, je peux passer par là. Je peux passer par là, mais là je vais me faire cramer. Voilà. Très bien. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Ouvre l'œil, Dani. Il me faut l'alarme. Hein. Il me faut l'alarme, elle doit être en intérieur. J'ai l'alarme. C'est bon. Si je me fais cramer, c'est pas grave. Allez, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. J'ai tout désactivé. Je suis fier de moi. On est déjà bien parti. Voilà.
Next. C'est pas fini. Ok, ça y est, ils ont peur. Ils ont cramé. Hop, lieutenant. Oh là, je suis mauvais là. Ah là, j'étais mauvais. C'est pas grave. Putain! Oh là là! Et bien voilà! Ah, oh, je parlais pas, et ils ont pété tous les trois là, c'était magnifique. Je parlais pas, j'étais tendu comme un. Comme un dingo. Muerte Castillo! Libertad! Yes! Usine de tabac! C'est chez nous! Et on a sécurisé plein de ressources. Et ça, ça fait plaisir! Qu'est-ce que c'est bon ça, chers amis? Qu'est-ce que c'est bon, je vous le dis. Je vous le dis. Oh là là. C'est excellent. C'est excellent. Récupérons les derniers trucs. Il doit y avoir ici une petite chose sympa. Voilà. C'est là que ça m'intéresse. Petite cache des FND. Plein de choses. Des médocs surtout. Oh là là. Ça, les médocs, c'est formidable. Service des armées. Certains d'entre vous ont exprimé des craintes quant au fait d'être exposés au PG-240 dans les champs. Je peux... Alors ça, c'est très drôle. Ah, je suis content de dire ce genre de choses. Je peux vous assurer que ce produit est 100% naturel et ne pose aucun risque connu pour la santé des êtres humains. Dit-il alors qu'on entend tout le monde tousser. Hein ? J'adore. Merci, lieutenant-colonel. Ah, j'adore. J'adore. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et finalement, nous, on abrège les souffrances des soldats, hein, en fin de compte. Parce que dans tous les cas, ils allaient crever. Avec leur poison... Hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Eh ben, c'est super. Eh ben, c'est super. Salut. On a... Salut. Salut. On a un petit renseignement. Carlos m'a appris à être un... Et maintenant, il est mort. Dis-moi, ma sœur. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Camarade, un poste de contrôle militaire coupe nos routes d'approvisionnement. En le détruisant, tu rendrais un grand service à la cause. Gracias, gracias. Génial, génial. Encore, encore. Encore des postes de contrôle. Y'en a marre. Ok. Ah, trop bien, trop bien. Bon, on va pas y aller là. Y'en a un de chaque côté ici, c'est génial. Nous, maintenant, on va s'occuper... Oh bah, hé, capturer la base des FND. Maria Marquesa Production. Ah bah, c'était dans la fin du dernier épisode. C'était ce dont elle nous parlait là, une des guérillas. Eh bien, on va capturer cette base aussi, les gars. Et tant qu'on est dans le mood, on va enchaîner. On va enchaîner, on va capturer la base. Allez, c'est parti. Et vous avez vu, en plus, c'est vite fait, bien fait. Il y a un cheval. Magnifique. Petit tonnerre. Petit tonnerre, bonsoir. Allez. Hop là, par derrière, hein, je te prends. Hein. Je te prends, je te ken. Hein. Doucement. Non, non. Pas doucement, non. Cours, cours. Très bien. Allez. On prend évidemment des chemins improvisés. Hein, parce que c'est la classe, tout simplement. Voilà. Et puis parce que là on croisera pas d'ennemis aussi, hein. Rappelons-le. Donc là on va aller sauver une assistante de direction de production vidéo, je sais plus quoi. Je dis n'importe quoi mais c'est à peu près ça. Ah, t'as pas envie de mourir, je comprends parfaitement. C'est à cause de l'association des chevaux je pense. Hein. Ah. T'es chiant, bah du coup je t'abandonne. Voilà, je t'abandonne. Si tu n'es pas capable. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit, Bandiou? Oh là là, mais là, je vais crever, en fait. Oula. Je vais peut-être pas tenter, en effet, par contre. Je peux passer par là. Si je saute, là, ça va, regardez. Regardez, regardez. Hop. Allez, tu fais une roulade. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma grande. Oh, c'est magnifique. Mais attendez, on est où, là? Oh là là, un petit coin sympa.
J'adore les petits coins sympas. Attendez, j'aimerais utiliser l'établi parce que il y a un truc qui me chagrine, vous l'aurez remarqué. J'ai l'impression d'être inefficace avec cette arme sur les hommes en jaune. Augmente le recul dans toutes les directions. Ah bon ? C'est pas bien. Pourquoi il me dit que c'est une meilleure précision ? Non, le problème c'est ça. Ouais, en fait, il faudrait des balles... peut traverser les casques. Alors que ça, c'est... inflige d'importants dégâts aux cibles sans blindage. Et donc ça réduit les dégâts aux cibles blindées. Ah, c'est ça le problème. Ouais, bah autant rester comme ça, quand même. On a des bons compromis niveau armes, là, quand même. Donc, autant rester comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, moi, j'étais venu là pour récupérer une caisse, à la base. Elle doit être en haut de la montagne, j'ai le seum. J'allais me faire foutre, c'est pas grave. On va continuer à pied, on va continuer par là. Ah ouais, c'est loin. Ah, c'est loin. Ah, je me suis mis dans la merde. Eh, mais attendez, mais je peux récupérer la caisse. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Ce jeu est beau. Ça faisait longtemps que je l'ai pas dit, par contre. Donc je me permets de le dire. Mais ce jeu est beau. C'est pas ici, hein. Y a pas de caisse, là. Ah, c'est là. Voilà. Eh. Eh, y'en a là-dedans. Hop. Eh, dis-moi que c'est quelque chose de bien. Super, des chaussures. Des bottes d'émeute. Oh, peut-être sympa. Attendez. Il faut que j'aille là. Non. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille là. Ah ouais, j'aurais pas dû prendre ces petits chemins à la con, moi. Mais y'a une écurie, là. Elle est où, l'écurie? Eh ben voilà. Il faut que j'aille à l'écurie. Prends la tiro. Voilà. Salut, frérot. Bien. Nickel, et toi? Parfait. Je me trouvais loin de tout, mais pas du tout. Hop, et on va demander à notre zèbre de compétition de nous y emmener. C'est parti. Non mais tu te fous de ma gueule. Ah, monsieur a peur des petits ponts. Sois un bon cheval. Vamos. Ah, il a peur des petits ponts. Ça va, frérot? Eh, on dirait Vas. Hola. T'as quelque chose pour moi? Oh, frérot. Qu'est-ce que... Bah va te faire enculer, c'est bon, allez. Excuse-moi, hein. Allez, c'est parti. Oh, il va pas vouloir traverser, allez. Si. Ah si, un petit chemin, c'est bon. Allez, vamos. Là, tu passes, hein. C'est bien. Valet de Jojo. Yeah. Excusez-moi. Oh putain, il en a dans le mollet, hein. Il en a dans le mollet, le coco, hein. Vas-y. Allez. Oh, il est vraiment très fort, hein, ce cheval. Hein. Regardez comme il va vite. Je l'avais dit qu'il allait vite. Oh putain, on y arrive. Je sens que ça va être plus compliqué quand même. Hein. Je sens que ça va être plus compliqué quand même. Stop. Oh, attendez. J'ai le droit d'aller là. Il y a un coffre crypté là. Ce que je vous expliquais précédemment. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Il faut que je trouve les tableaux crypto. Et en fait, si vous regardez bien, voilà les indications au mur là. Tu vois? Là, il y a de la ferraille, très bien. Et là, je pense que ça va être ici. Regardez bien. Là, voilà, vous voyez le panneau? Ah. Non, mais c'est sûr, c'est derrière là, c'est. Voilà. Et voilà. Non, c'est pas là. Allez là, voilà. Et de une. Donc là j'en ai une. Et je crois que la deuxième est là. Vu le bruit. Là, voilà. Regardez, hop, s'il te plaît. Oh mais ça me... Dégage. Ça m'empêche de prendre le machin. Je peux pas le prendre. C'est bon. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir ce coffre et normalement je vais avoir un truc assez sympa. Voilà, vous avez déverrouillé. Ils savent pas rouler. Hein. Et là, regardez, attention, qu'est-ce qu'on a? Des gants inifuyés. 4 étoiles. Je pense que c'est quelque chose d'assez bien, voyons voir quand même. Ils sont là. Augmente considérablement la défense contre le feu. Ah, ça, clairement.
C'est totalement ce qu'il nous faut. Et les bots, les attaques au corps à corps des ennemis auront plus de mal à vous renverser. Oh, ça me plaît. Augmente la vitesse de déplacement après un tir à la tête. Ramasse automatiquement les objets à proximité lorsque vous êtes dans un véhicule. Ah ouais, c'est ultra cheaté. Non, par contre, ça, les attaques au corps à corps des ennemis, c'est juste génial. Hein. Ah. Des otages. Un problème, monsieur ? Pas de problème. Je suis tellement content que tu m'aies trouvé. Ouais. Aucun problème. Ouais. Allez, on va monter. Ça va partir en cahuète. Comme à chaque fois. Mon petit cheval fidèle estrié. Je ne sais pas si ça se dit. Allez, calme-toi. T'as rien à craindre. Ouais, bon. On va juste crever, mais. Allez, comment va-t-on monter ? C'est bien par là ? Maria Marcusia. En fait, c'est vraiment le Hollywood du pauvre, hein, clairement. C'est vraiment le Hollywood du pauvre. Allez. Doudou. Ok. Clara, c'est mon jour de chance. J'ai trouvé le studio télé de Maria. Bien, ils ont capturé l'une de nos camarades. On pense qu'ils la retiennent prisonnière là-bas. Libère-la. Et Dani, c'est une vraie usine à propagande pour Castillo. Alors il faut frapper fort. Compris. Merci, Clara. Avec grand plaisir. Voilà, l'ingénieur. Là, une alarme. Non. Si. C'est une alarme qui est à l'intérieur. Ok, une alarme à l'intérieur. Ici, une. Un canon anti-aérien, les gars. Un putain de canon anti-aérien. Excellent. Mais je sais pas où sont les autres alarmes, ça c'est chiant. C'est très très chiant. Si j'ai pas toutes les alarmes, on est dans la merde. Hein. Pour le coup. Hein. Je peux rentrer par là. C'est pas tant le problème de rentrer, hein, pour être très honnête. Bon, allez, on a qu'une vie. Hein. One life, comme disait Jones. Il va falloir faire gaffe. Un message spécial del presidente Castillo Maya. Mauvaise idée, hein. Oh putain. Ta gueule. Elle est où l'alarme ? Chut. J'appelle des renforts. Alerta. Non. Hein ? Oh putain. Ta mère ! Oh, j'ai trop le seum. Comment j'ai foiré ma balle ? Je vois des troupes sur les routes. Elles arrivent sur ta position. Mais monte ! Oh, comment j'ai fait pour foirer ma balle ? Je suis vraiment en trou de balle, ouais. Oh, elle est là, ma sœur. C'est bon, j'ai libéré. Sergent Cruz. Sergent Cruz n'est plus. Putain, j'ai trop le seum. Putain, mais c'est pas vrai. Faut pas qu'elle meure, ma sœur. Hein. Fais gaffe, j'aperçois des hélicos qui viennent vers toi, Dani. Oh, c'est pas grave, ça, les hélicos. Voilà pour toi. Vas-y, viens voir l'hélico là. Il me fait pas peur ton hélico. Hein. Viens, frérot. Voilà. Ça dit quoi? Vas-y, là, c'est le moment. C'est le moment de faire les malins. J'ai récupéré des clés.
J'ai récupéré des clés. T'inquiète pas, ça va me servir. Attends, ça, la tourelle, ça n'existe plus, hein. Ah, manifestement si. Voilà. Ensuite, on va rentrer. Il y a des trucs à récup. Ah, voilà, des médocs. Des clés encore. Voilà. Hop. La cage d'FND. Tout ça c'est pour nous, hein. On a même... Ah, l'alarme. Voilà. Bon bah j'ai désactivé l'alarme, hein. Ça sert plus à rien. Viens mon frère. Voilà. Bon ça va en vrai, hein. Les renforts c'était du gâteau, hein. Mais sans les renforts ça aurait été encore plus stylé quand même. Mais bon c'est pas grave, on aura réussi quand même. Yeah, yeah. Yeah. Maria Marquesa Productions. Et coupé. Yes mon pote. Bon là malheureusement on n'a pas pu tout sécuriser je pense. À cause de l'alarme. C'est dommage. Et bien voilà, une bonne chose de faite également. On est... Par contre là on est en train de faire trembler la dictature, hein. Là je vous le dis, hein. Parce que là clairement on est en train d'occuper des zones quand même assez stratégiques, hein. Eh les gars, tout ça c'est chez nous maintenant presque, hein. Sans déconner, bon il y a encore en haut là. Évidemment Esperanza où on peut pas faire grand chose. Bon, là, j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors regardez, regardez, l'animal est fluorescent de nuit. C'est, et pareil là, le bonhomme, vous voyez. En fait, on voit les gens la nuit, regardez. Un sniper. Lui, on l'a bien vu de loin. Pareil lui là. Voilà, et ça c'est dû à mon casque de nocturne. Ouah, c'est magnifique. Hein. Salut le chien. C'est magnifique. On a quoi juste à côté? Très bien. Allez les amis, Juan. On va faire la mission de Juan. Je ne peux pas me téléporter parce que c'est juste à côté. Et ben c'est parti, allons voir notre ami Juan. Rendez-vous à Feroza. Le message, pardon, parlait d'une cargaison d'armes manquante. Vérifions ça. Je ne sais même plus de quoi il est question. Pour être très honnête, je ne sais pas pourquoi on me tire dessus, hein. Mais si ça vous fait plaisir, hein, tirez-moi dessus, il n'y a pas de problème. Hop. J'aimerais en voir plus. Trouver la cargaison. Trouver la cargaison d'armes égarées. Les armes se trouvent dans un conteneur maquet bleu clair. Ok. Il y a une cargaison d'armes volées. Mes petits CBS, ça va chérie, je vous offre la possibilité d'avoir enfin votre heure de gloire. Sautez sur l'occasion et passez des moments ouf et inoubliables. Le parcours club, ça va être mortel. Très bien. Pourquoi je peux pas passer? Je vois un médecin. Ça va, elle est un peu sadique. Attends, je vais l'écouter, elle est sadique. Bon, ta gueule, c'est bon. Commence à bien faire ces conneries, hein. Allez, viens, ma soeur. Gracias, camarade. Avec plaisir. Alors, attends, c'est abusé, hein. C'est abusé comme ils se foutent de ta gueule, hein. Faut pas se laisser faire, hein. C'est pas parce que monsieur. Monsieur possède des armes qu'il faut se laisser faire, hein. Du coup, là, c'était madame. Bon, je sais pas vraiment ce que je cherche. Bah, c'est ça, maquet. Mais attendez, j'ai trouvé. C'est ça. Hop. Ah. Ça, c'est pas des armes.
Ça, c'est pas des armes. D'accord, mais il n'y avait plus d'orange. Là. Eh bien voilà. Cognon. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ah. Voilà. C'est bon, frérot, tu peux te relever, hein. Reste digne. Bon, il faut faire tous les conteneurs bleus, j'ai compris. Là, il y a un chien méchant. Un chien. Fini là. Oh non, il est gentil. Ça va, mon frère? Juan. Attendez. Trouvez une cargaison d'armes. Américaine. Ça t'intéresse? Danny, c'est comme si tu demandais à Saddam s'il voulait plus d'armes chimiques pendant le génocide kurde. Évidemment que ça m'intéresse. J'ai trouvé un chien aussi. C'est utile, un chien à la guerre. Il y en a eu plein dans l'histoire. Tu lui as trouvé un nom? Chips, Nemo, Sergent Stubby? Non, pas encore. Mais merde, Danny, il a pas d'identité. Il faut lui donner un nom. D'accord, disons... Boum Boum. Parfait. Entraîne-le à choper les cojones direct. Les chiens, c'est comme la guerre. Il faut que ce soit violent, imprévisible et pervers. Quelque chose me dit que Boum Boum est déjà un guerrier. Boum Boum, viens. On a un nouvel animal de compagnie. Ah, c'est super, on a un nouvel amigo. Boum Boum. Ah, c'est trop mignon, ça va mon petit Boum Boum? Oh, bon chien. Oh là là, c'est trop coucouille. Pardon, excusez-moi, mais là, par contre, ça me rend coucouille. Hein. Autant Chorizo, il était mignon, amigo discret, amigo de combat. Lui, il est aussi amigo discret. Chorizo jouera de son charme irrésistible pour distraire les ennemis et les exposer à votre attaque surprise. Ça, on n'avait jamais vraiment essayé. Et lui, alors, la première chose qu'on lui a apprise dans le Montana, c'est à récupérer des ressources sur les cadavres des ennemis. Oh, bah lui, il va nous être très utile. Très, très, très utile. Eh bien, c'est une bonne mission de fête. Là, c'est la guerre. Mais il se passe quoi, là? Non, mais là, c'est la guerre. J'ai jamais vu ça. Attendez, je vais y aller, je suis curieux. Mais il se passe quoi? Pourquoi il y a du feu partout? Non mais attendez, hé. Ok. Non mais... Ça va, frérot? Oh non, il est mort. Oh non, putain. Bon, il y a trop de méchants, là. Il y a trop de méchants. En fait, c'est les animaux qui sont méchants. Ok. Eh ben, une bonne chose de faite, les amis. Avec l'effondrement du tourisme, eh ben, ils font une relance avec le Viviro, on a bien compris. On a bien compris qu'ils misaient tout sur leur tabac de merde. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible tout ce qu'on voit là. Ce village est pas ouf. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Eh, genre, attendez, parce que moi, mon village que j'aime bien, il est où là? Ferosa. Moi, je suis perdu maintenant. Ah, voilà, c'est Verdera, le village avec le clocher qui est... Ça, c'est un beau village. Mais alors celui-là, mon pote, il me fait peur. Hein. Celui-là, mon pote, il me fait peur. Mais ici, c'est chez nous et ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on a là comme mission? On a Juan. Juan, ça, c'est évidemment les armes avec... Mais pour ça, il faut de l'uranium. Hein. Bénédiction de Triada, rapporter les reliques. On a Mouche du Coche, Yami. Impressionne-moi et je t'en mettrai plein la vue. Améliore ton véhicule. Ok. Et là, on a des opérations. N'oublions pas que Bembe, on est un petit peu sa pute. C'est vrai. Hein. Donc, il serait temps de retourner un peu chez lui. Première étape, vandaliser. Tu vas taguer notre logo. Oh, c'est chiant, les missions comme ça. Mais c'est vrai que c'est vachement marrant. Les Montero. Tue les trois salauds qui ont assassiné papa. Eh bien, voilà. On va faire ça pour le prochain épisode, les amis. Ça, c'est dit. Eh, vous le voyez, vous la voyez, elle? La lida lida lida. C'est un mec. Hein. Hop. Eh ben c'est plus un mec. C'est un homme mort. Ça c'est fait. Et on récupère. Attendez, il y en a un autre, j'ai envie de m'amuser.
J'ai envie de m'amuser. C'est fun quand même d'assassiner des gens. Attendez. Eh, vas-y, boum boum. Attaque, boum boum. Vas-y, boum boum. Ah ouais. Boum boum, reviens ici. Ah ouais, il a aucune pitié, boum boum. Eh, c'est pas Chorizo qui ferait ça, hein. Oh merde, ça c'est pas cool. Attendez, c'est formidable. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. On se retrouve, j'ai très hâte, pour le prochain épisode. Et on va aller venger les Montero. Parce que les Montero, c'est les bros, hein, clairement. Bande de traîtres, vous ne méritez pas de vivre dans notre beau pays. Tu parles à qui, toi? Tu parles à qui? Tu parles à eux, hein, je pense. Je pense. Allez les amis, plein de pouces bleus. Plein de bisous, pardon. Le lapsus. Allez, ciao tout le monde.